18 de l'Albatros, la mise en jeu, une des plus anxiogènes du golf français. Les bouches à droite, de l'eau à gauche. Les breaks 100, logiquement sur l'Albatros, vous ne devriez pas être là. C'est index 24 maximum. Pour autant, on vous a donné la possibilité de le jouer, alors écoutez bien ce que je vous raconte pour économiser les coups. Sur un par 5, sur une mise en jeu anxiogène comme celle-là, je vais simplement prendre le club long que je maîtrise le mieux en pourcentage de réussite. En l'occurrence, c'est assez souvent votre hybride, et une mise en jeu à l'hybride, ça va très bien. Si vous l'envoyez à 150 mètres, 140 mètres en face de vous, la vie continue et vous avancez. On ne drive pas, on ne joue pas de bois 3, on n'essaye pas des trucs qu'on ne réussit pas assez au practice. Hybride, vers le début du fairway, pourquoi pas légèrement sur les bosses, et le jeu continue. Peut-être qu'il y aura un hybride de plus, voire un troisième, un coup de wedge sur le green et ça peut faire 6. Alors nous, les breaks 90, on va pas se mentir, souvent on a une tendance un peu au slice. Eh ben, on va jouer avec, on va pas chercher à le contrer. Et du coup, ben, moi qui ai aussi cette tendance de temps en temps, je vais m'appuyer sur la partie gauche et laisser l'effet ramener tout simplement la balle en plein milieu. Et voilà, une balle au sec. Alors les breaks 80, le jeu, c'est le driver. Donc, il faut taper votre meilleure trajectoire, la balle au tendre. Je m'aligne bord droit du fairway. Je me place, je stabilise. Voilà. Un drive bien engagé, milieu de fairway, ça commence bien.